Bonjour et bienvenue dans votre magazine Ça vaut le détour en Normandie. Aujourd'hui, nous sommes au Trey, une ville façonnée par l'histoire, une ville entre fleuves et forêts située au cœur du parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande. Et pour bien commencer notre visite, nous avons rendez-vous avec Patrick Calais, le maire de la ville du Trey. Bonjour, bienvenue au train. Merci beaucoup, on commence le matin. On y va. Et pour bien apprécier tous les atouts de la ville du Trey, direction le panorama pour une vue imprenable sur la ville et les méandres de la Seine. Le Trey, à l'origine, au début du siècle précédent, c'est un village de 600 habitants, composé d'agriculteurs, de bûcherons et de pêcheurs. Et en 1916, il va se passer deux événements, deux entreprises très importantes qui vont arriver au Trey. Une qui s'appelle la Standard Oil, fabricant d'huile, qui va s'installer en face de la Mailloret-sur-Seine. Et puis une famille, la famille Worms, qui va venir visiter le village du Trey et installer un chantier naval. Et donc, entre 1916 et aujourd'hui, donc cette ville va se développer jusqu'à monter à 6300 habitants, pour revenir à 5000 aujourd'hui. Donc il y a eu toute une histoire autour, bien sûr, de la Naval, qui a été l'entreprise la plus importante entre 1916 et 1917 et 1972, à la date de sa fermeture. J'ai forcément des souvenirs, et parce que mon père y a travaillé, mon grand-père y a travaillé, mes oncles, mes tantes, toute la famille gravitait autour de cette activité. Et oui, j'ai un souvenir d'enfant qui est celui d'une école qui est juste derrière moi, où à l'époque, fin des années 60, on sortait en fait dans la cour à chaque lancement de bateau. Et ça, c'est des souvenirs qui restent gravés dans ma mémoire. En 1974, elle est arrivée Coflexip, qui est devenue Technip aujourd'hui, Technip FMC, donc un des majeurs internationaux. Et on a la chance aussi d'avoir Sanofi Aventis, une grande entreprise également du CAC 40, présent sur le Trey et qui emploie énormément de monde. Concernant la vie économique, effectivement, il y a deux grands majeurs, ça c'est une chose, mais il y a aussi plein de petites entreprises autour qui existent, des commerçants, des artisans, et on a vraiment un tissu économique important. Les atouts de la ville du Trey, on a bénéficié de l'époque des chantiers navals où beaucoup de structures ont été construites. Donc on a la chance d'avoir trois groupes scolaires, d'avoir un collège, d'avoir un centre de loisirs, d'avoir une bibliothèque, une école de musique, enfin un conservatoire même de musique. Et donc voilà, on a trois salles de sport. Mais toutes ces choses-là sont des bâtiments qui se sont construits entre les années 30 jusqu'à début des années 70-80, voilà, tout le patrimoine s'est construit pendant toute cette période où il y avait vraiment un élan important. On fait en sorte que la population participe au maximum à la vie de la collectivité, et on a la chance d'avoir énormément d'associations. Il y a plus de 70 associations représentées au Trey. Et donc voilà, c'est un tissu important qui aide à dynamiser la ville. Et il y a un effort que l'on fait, nous, en tant qu'élus, c'est de les aider au maximum de ce que l'on peut faire pour vraiment que le dynamisme soit là et qu'on puisse partager des événements sympathiques, mais aussi vivre ensemble, parce que c'est aussi ça l'essentiel, c'est apprendre à vivre ensemble. Et pour bien vivre ensemble, de nombreux événements rythment la vie au Trey, comme... Les estivales Saint-Jean, donc c'est des estivales musicales avec un feu de Saint-Jean. On a forcément les festivités du 14 juillet, bon, qui sont nationales, mais au Trey particulièrement. On a également un forum associatif, on a les journées du patrimoine, on a une fête de la moto qui a lieu tous les deux ans et qui amène énormément de monde sur la collectivité. On a un marché de Noël aussi au moment de décembre, on a le marché dominical,
qui existe donc tous les dimanches, comme son nom le précise. Voilà, oui, effectivement, il y a beaucoup d'activités. Le cadre de vie est également agréable au trait, avec la proximité de la Seine, la présence du marais, où pâturent paisiblement chevaux et bovins. La forêt, très présente aussi, est idéale pour la randonnée. Pour déambuler de manière douce dans la ville d'Utrecht, un projet de réhabilitation de l'ancienne voie de chemin de fer en voie verte verra le jour en juin 2019. Un autre projet est aussi très attendu au Utrecht. C'est la création d'une maison pluridisciplinaire de santé. C'est un projet complexe, assez long à monter, mais qui va aboutir. Et donc, on aura une offre de santé pour les administrés traitants, mais aussi au-delà. Et donc, voilà, on va insérer entre 15 et 20 professionnels dans cette structure. Et cette structure, elle sera construite par notre société d'économie mixte au niveau de la ville d'Utrecht. Moi, je suis très fier de ma ville. Je ne sais pas comment l'expliquer. Voilà, quand on est né ici, qu'on vit ici, la vie de cette ville, la grandeur de cette ville, la façon dont les choses se sont développées, on aime y vivre et en général, on y vit, je vais dire, presque de père en fils, quoi. Voilà, très peu de gens s'en vont ou alors c'est pour des causes professionnelles. Mais en général, quand on est au trait, on y reste. Nous rejoignons maintenant Sandrine Lauffon au centre de loisirs Robert Doisneau pour une présentation des services de la ville d'Utrecht. Nous sommes ici au centre de loisirs Robert Doisneau qui accueille les enfants de 3 à 13 ans pour autant des activités périscolaires avant l'école et après l'école, mais également pendant les vacances, donc toute la journée, notamment sur les temps de restauration car nous avons un lieu de restauration sur place et qui crée aussi des temps forts tout au long de l'année comme les soirées parents-enfants ou des rétrospectives sur les activités des enfants qui sont faites à l'année. L'offre culturelle de la ville d'Utrecht est riche. La ville a fait sienne l'idée que la culture sous toutes ses formes devait être accessible à tous. Nous avons le centre social Lazertel, qui est un centre intergénérationnel où se passent un certain nombre d'actions culturelles, notamment les concerts de la petite scène, des expositions également. Et aujourd'hui, la ville est en train de réhabiliter la chapelle Saint-Éloi pour pouvoir y faire également des actions culturelles. La commune a aussi la chance d'avoir 2 institutions, la bibliothèque Gérard Philippe et le conservatoire de musique et de danse du Val-de-Seine. Le conservatoire est donc financé en partie par la ville d'Utrecht. C'est une structure indépendante. Par contre, les locaux nous appartiennent et nous apportons une participation financière importante à ce conservatoire pour la qualité de vie des traitons, pour que les enfants comme les adultes puissent s'inscrire à des ateliers musicaux de toutes sortes. Donc la bibliothèque Gérard Philippe est également un service offert à la population traitonne. Donc on y retrouve effectivement un large choix de supports culturels, que ce soit livres, DVD, aussi de nombreuses animations sont proposées tout au long de l'année. La ville d'Utrecht prend soin également de ses seniors. Nous avons un service d'accompagnement aux personnes âgées qui propose des services d'aide à domicile avec plus de 50 intervenantes à l'année et également un service d'animation aux personnes âgées pour des sorties, pour des ateliers et qui est en charge notamment des résidences autonomie de la ville d'Utrecht. Donc il y a 2 résidences autonomie, la résidence Brossolette et la résidence Biville. Et parce que la vie s'accompagne de démarches administratives, les services de la ville d'Utrecht s'efforcent d'en simplifier les formalités.
Depuis septembre 2016, a ouvert guichet unique au sein de l'hôtel de ville. Donc, c'est un guichet qui rassemble l'ensemble des points d'accueil de la ville d'Utrecht pour justement avoir un accueil unique des usagers, un point de première information, tant bien sur l'urbanisme, sur les services proposés par la ville, des liens avec la métropole également, et qui permet de faire l'ensemble des inscriptions, que ce soit pour le périscolaire, pour l'accueil de loisirs, la restauration, inscription en école, ce qui permet une inscription unique, une facturation unique, et le guichet est encore en pleine évolution, car en septembre 2017, nous allons ouvrir le portail famille, qui va permettre aux familles de s'inscrire en ligne et également de payer en ligne. Au sein de la ville d'Utrecht, il y a plus de 30 métiers qui sont représentés. Ça va du jardinier aux animateurs, bibliothécaires, aux aides de vie sociale, aux personnes qui travaillent dans les écoles, aux peintres, police municipale. On a un très large choix de métiers, donc, ce qui permet aussi de servir au mieux la population en interne avec nos propres moyens et de réaliser des économies d'échelle aussi. Direction maintenant la résidence Bonelli, où nous attend Régent Saupin qui va tout nous dire sur la SEMVIT, la société d'économie mixte de la ville d'Utrecht. La SEMVIT a été créée en 1958 par le maire de l'époque. Aujourd'hui, la SEMVIT, la mairie d'Utrecht est l'actionnaire majoritaire de la SEMVIT. La SEMVIT rayonne sur le Trait dans les communes environnantes et dotée de 750 logements dans sa totalité, 450 sur le Trait. Une mixité sociale, une mixité environnementale, ça va du studio, du meublé. On possède quelques meublés pour les stagiaires de grandes entreprises qui viennent ici sur la commune pour une période limitée. On trouve tout type de logements, du F5, du F6 ou F3, F4, pavillonnaires, appartements, il y a tout type de logements. Et actuellement, la SEMVIT continue de construire sur la commune. La SEMVIT est l'outil de la ville d'Utrecht, puisque 450 logements, c'est beaucoup d'habitants de la commune. Et la SEMVIT est le prestataire de la ville pour assurer un fonctionnement efficace et de qualité. C'est-à-dire que quand on rencontre des problèmes dans les appartements, on n'attend pas 2 semaines ou 3 semaines pour intervenir. Il y a un temps de réactivité qui est très très rapide et au service aussi de la ville. Nous quittons Régent Saupin pour retrouver Gaëlle Le Floch qui va nous parler de la Cité Jardin d'Utrecht. Alors la Cité Jardin d'Utrecht, c'est une longue histoire qui démarre avec l'arrivée des chantiers navals Worms pendant la Première Guerre mondiale. Worms arrive, crée son chantier, fait venir de la main-d'œuvre qualifiée des quatre coins de la France, mais il faut loger tout ce personnel et il décide de construire des logements pour ses ouvriers. Et M. Worms s'inspire de la théorie de la cité-jardin d'Ebenezer Howard, un théoricien anglais, qui assure à chaque maison d'ouvrier un jardin, donnant accès aux gens à la lumière et à l'air en fait. Pour nous, ça paraît assez évident, mais à l'époque, c'était une pensée avant-gardiste. Dès le départ, M. Worms a fait appel à des architectes, donc toute la cité d'Utrecht est en fait une ville d'architectes. Donc c'est Gustave Majoux et Pierre Chirol, qui étaient un architecte de Rouen, qui ont conçu les plans d'urbanisme et le plan des maisons, démultipliant les typologies de chaque logement. Mais il faut savoir que l'organisation spatiale de la cité reflète l'organisation sociale de l'époque et notamment la hiérarchie qui existait au chantier naval. Donc en contrebas, près de la route départementale et de l'usine, vous allez retrouver des logements qui étaient destinés aux ouvriers. Vous montez un petit peu plus sur le coteau, vous trouvez des logements qui étaient dédiés aux chefs d'équipe, aux dessinateurs par exemple. Donc ce sont des maisons un petit peu plus grandes, un petit peu plus cossues, avec des qualités architecturales un peu plus développées. Et tout en haut du coteau, vous allez retrouver les maisons destinées aux ingénieurs et aux cadres supérieurs. À
Alors la maison Fillot est remarquable au trait puisqu'elle témoigne d'une architecture moderne, métallique, qui est assez remarquable en Normandie, assez rare, et c'est à ce titre que les monuments historiques l'ont protégée. Et ici, avec la maison Fillot, on est sur de l'architecture moderne, de l'expérimentation, où les innovations techniques, le métal, rentrent dans la conception architecturale pour créer des nouvelles formes et une nouvelle façon d'habiter. L'année dernière, avec la Maison de l'Architecture, le parc et la commune d'Utrecht, on s'est inscrit dans un dispositif régional qui s'appelle Résidence d'architecte. Et pendant 6 semaines, une architecte et un paysagiste sont venus travailler avec les élus, échanger avec les habitants, réfléchir, regarder, se balader pour réidentifier en fait les qualités de vie, les qualités architecturales, les qualités esthétiques de la cité-jardin. Et ils ont mis le doigt sur ce qu'on peut appeler l'homogénéité de la cité-jardin, mais aussi sa diversité. Puisque si vous regardez autour de vous, vous allez voir que les architectes Gustave Majou et Pierre Chirol ont diversifié en fait le dessin des façades, la forme des toitures, la forme des cheminées et également la disposition des portes et des fenêtres. Du coup, on a cette impression d'homogénéité, d'unité à l'échelle de la ville, mais on ne s'ennuie jamais à regarder les façades puisque chaque maison est différente de sa voisine. On l'a découvert tout au long du magazine, la ville d'Utrecht, c'est une ville dynamique avec de nombreux trésors et avec de beaux projets en perspective. Oui, effectivement, notamment des projets qui cette année sont plus orientés culture, puisqu'on va réhabiliter la salle Jacques Prévert, qui est une salle de spectacle, et puis également la chapelle Saint-Éloi, que l'on va transformer en lieu d'exposition. Et j'invite les téléspectateurs à bien être attentif à ce qui se passe au trait et venir découvrir les trésors cachés de cette ville, puisqu'il y en a beaucoup, ce n'est pas qu'une ville qu'on traverse. Merci beaucoup Patrick Calais pour cette belle balade. Merci à vous.